Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, c'est le premier moment pour trier une partie des graines. On a fait une belle récolte, elles ont séché. Il y en a encore qui sont en train de sécher, mais on a déjà une bonne partie. On va comme ça pouvoir ranger quelque chose. Il y a quelques années, quand je faisais ce travail, je devais tout faire avec des tamis. Et ensuite, je vais ventiler ou trouver du vent ou souffler dessus. C'était assez pénible. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait des limites lorsqu'on commençait à faire pas mal de semences. Puis j'ai trouvé, bien évidemment, j'ai vu des tarares sur Internet. C'était intéressant, mais c'est déjà, faut en trouver un, deux, c'est assez volumineux. C'est pas tout simple. Puis je suis tombé sur une fois un site Internet où j'ai trouvé cette machine. On peut trouver ces plans, je les mettrai en description, le lien où on peut trouver les plans de cette machine. C'est assez précis, ça n'a pas besoin d'être en plexiglas, c'était juste pour l'optique, c'était intéressant de voir ça. Les graines sont introduites par le haut, elles vont passer à travers le canal, elles vont être dérangées et donc secouées, et l'aspirateur va tirer le chenil de ce côté. On peut régler l'aspiration du chenil en réglant les ouvertures derrière. Suivant si on a des très grosses graines ou des très légères, il faut peut-être plus ou moins aspirer. Et puis à la fin, le résultat, c'est qu'on a tous les déchets d'un côté et les mauvaises semences, c'est-à-dire les semences qui seront trop légères, donc vides, et le bon qui descend de l'autre côté. Mais on va voir comment ça fonctionne en live après, c'est intéressant. Maintenant, les semences qu'on peut utiliser, par exemple, ça c'est du maïs à polenta. Il y a encore des déchets dedans, donc on pourrait faire la polenta avec ça, mais c'est clair qu'on voit tout de suite que j'ai du chenil encore dedans et que ça ne va pas aller pour faire de la graine alimentaire. Il faut encore nettoyer ça et la machine va faire un job incroyable pour faire ça tout simplement. Hier, on a déjà fait une partie des semences. C'était le thé de fenouil où il y avait des pucerons, il y avait des petits trucs parce qu'ils adorent ça. Ça a donné un résultat magnifique, succulent d'ailleurs, ce thé, on l'a goûté hier. La coriandre, où il y a quelques années en arrière, quand j'avais pas cette machine, mon épouse faisait tout à la main, c'était un travail astronomique. Là, la machine a tout trié, les graines sont prêtes à utilisation. On peut descendre dans des toutes petites graines, comme ça c'est du millet que j'ai planté cette année, parce que je veux faire de la semence pour reproduire, puis bon, le goûter aussi bien évidemment, dans la granola notamment. Et puis, par exemple, une semence typique, c'est la salade. Où là, il y a énormément de chenilles, de déchets, les pompons là, pour s'envoler. Puis bien évidemment, il y a la semence dedans. Et pour trier ça, la machine va faire un job extraordinaire. On verra le résultat de ce que ça donne quand on aura fait quelques passages. Voilà, on va s'y mettre maintenant. On a passé tout ça dans le tamis et là le résultat il est magnifique. On a fait un tri encore avec la machine puis on a passé au tamis et là c'est plus qu'acceptable, c'est presque parfait quoi. Pour faire de la semence de salade c'est top.
pour ce maïs jaune, maïs à pop-corn ou maïs aussi pour la polenta, délicieux. On voit que le résultat est incroyable, il est super propre. Et voilà, de tout ça, le déchet qui a été sorti, c'est vraiment, le résultat, il est parfait. Il y a plus rien dans le maïs, on peut le manger ainsi. On va commencer à passer des graines un peu plus petites. Là, c'est le millet. C'est assez petit, assez léger. Pour éviter que tout soit aspiré dans le côté chenille, il y a cette partie-là qui est l'aspiration. Plus j'ouvre, moins il y a d'aspiration. Quand il y avait le gros maïs, c'était tout fermé. Pour le petit, j'ai ouvert un petit peu. Puis maintenant, je vais ouvrir au moins un. Peut-être c'est trop ouvert, mais je préfère pas me retrouver avec toutes les graines du côté chenille. Genre, je ferai plusieurs passages et plus il faut que je trie, plus je vais affiner et fermer cette aspiration. Donc on va voir maintenant ce que ça donne. J'enclenche l'aspirateur. Passage, on a fermé toujours plus la ventilation, enfin l'aspiration, c'est presque trié. On peut aussi utiliser, on a utilisé un tamis aussi pour enlever quelques déchets qui avaient exactement le même poids mais qui étaient plus gros, les déchets de l'intérieur de ce qui tenait le millet ensemble, quoi. Et voilà, maintenant on a quelque chose de propre qu'on peut utiliser. Alors, pour de la semence, c'est nickel, pour l'alimentaire, c'est bien aussi, ça va aller parfaitement, aucun souci avec ça. Et puis voilà, c'est fini pour le millet. Une fois que tout est bien trié, ce que je fais volontiers, moi, c'est que les restants de salade, là, les petits, le déchet, je mets là, puis ça, c'était un tri de graines de brocoli. On ne sait jamais, ça peut faire engrais vert, ça va repousser là-dedans, c'est très, très bien. Au lieu de tout jeter dans le feu, on en met un petit peu dans les morceaux, puis comme ça, c'est parfait. En tout cas, moi, je vous conseille de trier le plus possible avec la machine en une fois, parce que ça fait un peu du chenille dans la maison, un peu partout. Mais en finalité, après tous ces petits déchets, je les remets tous dans le jardin, sauf ce que je veux pas qu'ils repoussent, comme les soucis de mon épouse, parce que sinon j'ai des fleurs partout. Mais voilà, je mets ça dans le jardin, et puis l'année prochaine, si des salades, ben, ça profitera aux limaces ou à quelqu'un, ou aux petits canards, les canards qui vont passer dedans. Enfin voilà, ils sont sûrement par là, en train de chercher des limaces. Alors, tout bon, et puis j'espère que vous arriverez à construire la machine. Si vous désirez le faire, j'ai mis le lien sous la vidéo. Il n'y a qu'à aller dessus, il y a les plans détaillés. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours regarder la vidéo ou me demander éventuellement des détails de photos. Mais on trouve toutes les informations sur Internet.